Shalom, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Rachel, que Dieu vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. Le psaume 91 est un psaume qui a le pouvoir de vous donner la protection, la guérison, la liberté et de vous délivrer de tout malheur dans votre vie. Il peut également apporter un plus puissant bouclier de protection à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ces puissants psaumes. Et après cette prière, soyez rassurés que vous aurez désormais une protection solide contre toutes les forces du mal qui en veulent à votre vie et à votre famille. N'hésitez surtout pas à laisser les requêtes de prière dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que vos joies soient parfaites. J'aimerais que vous appuyez sur le pouce j'aime au début. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié. Et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines prières inspirées chaque matin, midi et soir. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit, car après l'étude de ces puissants psaumes, nous ferons une puissante prière inspirée de ces psaumes que je vous invite à suivre jusqu'à la fin. C'est très important que vous suivez cette prière jusqu'à la fin pour ne rien rater des bénédictions que les anges apporteront au cours de cette prière. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, « Ô Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes. Et tu te réfugies près de lui. Comme poussin sous les ailes de sa mère, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu Très-Haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous nous tournons humblement vers toi en quête de protection contre les forces maléfiques qui peuvent tenter de nous égarer. Seigneur, dans cette prière sincère, nous te demandons de nous entourer de ta lumière divine, de ton amour inconditionnel et de ta puissance supérieure au nom de Jésus. Que ton amour inonde nos cœurs et chasse toute peur qui pourrait tenter de s'installer en nous au nom de Jésus. Seigneur, que ta lumière brille en nous
comme un bouclier invincible, et qu'elle repousse toute obscurité et tout mal qui pourrait chercher à nous nuire dans le nom de Jésus. Papa, déploie tes anges comme un bouclier autour de nous. Que tes puissantes anges nous entourent matin, midi, soir, à chaque instant, Seigneur. Et qu'ils neutralisent toutes les flèches de l'ennemi lancées contre nous, lancées contre notre famille dans le nom de Jésus. Papa, combat ceux qui cherchent à nous atteindre. Dans ta colère, détruis-les. Déverse la coupe de ta colère sur leur vie et sur celle de leurs enfants et de leur progéniture dans le nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui et dans la suite du temps, quiconque cherchera à nous toucher meurt au nom de Jésus. Papa, je prie que tu mettes ta marque de protection sur tout chacun de nous. La protection par le sang de Jésus. Car lorsque l'ange de la mort verra le sang, il passera. Lorsque les flèches de maladie, lorsque les flèches d'affliction verront la marque du sang, ils passeront. Pour cela, Seigneur, marque tout un chacun des personnes qui m'écoutent en cet instant par le sang de Jésus. Et que eux ainsi que leur famille soient grandement protégés par le sang de Jésus dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons humblement de placer tes anges protecteurs autour de nous, qu'ils veillent sur notre chemin et nous guident vers la paix et la sécurité dans le nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, ôte tous les blocages de notre chemin dans le nom de Jésus. Accorde-nous la sagesse de discerner le bien du mal et la force de toujours choisir le chemin de la droiture dans le nom de Jésus. Père éternel, que ton Saint-Nom soit notre refuge, car il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y cache et est en sécurité. Seigneur, cache-nous dans cette tour forte au nom de Jésus. Garde-nous sous cette tour forte au nom de Jésus. Père éternel des armées, tout chemin de malheur, tout chemin de désastre, tout chemin de confusion, tout chemin de problème, tout chemin de maladie, tout chemin qui n'honore pas ton nom, sur lesquels nos âmes s'étaient engagées, Seigneur, par ta main puissante, arrache-nous de ces chemins dans le nom de Jésus. Seigneur, avec foi, nous proclamons que nous sommes couverts par ta grâce infinie et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Père, nous te remercions, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta protection constante et nous croyons fermement en ton pouvoir salvateur sur nos vies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est fait. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière inspirée. Si tu as été béni par cette prière, je t'invite à la partager avec tes proches pour leur permettre d'être également béni. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine prière. Shalom.